Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la playroom sur un nouvel épisode de Mad Max. Donc, chers amis, on va parler à Jit. Salut. Et on va commencer cet épisode. D'accord. Du soufre, pourquoi pas? Du salpêtre. Ok. I bring you the prisoner, you get me ammo. That's the deal. Take these! It's all I got. You need more, you get me more sulfur and peat. Bon. Projet armoré dans une autre forteresse. Ah bon? Alors attends, ils sont où tes trucs là? Parce que si c'est genre Achaï à perpète les oies. Bon, on va aller voir déjà on va aller voir Griffa. I'll mark anything I find with red flares. C'est bizarre le truc de comment de quête bug. Sauf que voilà, depuis le temps, ça devrait pas. Bon alors, où sont tes trucs? Ah oui d'accord, faut que je le trouve mais genre littéralement. Et toi, ah non, il y en a un là et un là. Mais d'accord. Pas de problème, c'est quoi ça? Course à la mort. D'accord. Intéressant. Alors je pense qu'il faudrait aussi que j'aille voir là-dedans pour voir s'il n'y a pas d'autres voitures possiblement pilotables. Mais ça, on le reverra ça tout à l'heure. Une fois qu'on aura vu Griffa, déjà pour nos niveaux, je pense qu'on a une dizaine de points à mettre. Ce qui n'est pas rien. Hop. Puis ça m'ennuie qu'on n'ait pas encore. Où ça? Où ça? Il me dit des choses à chaque fois par là, mais je sais pas ce que ça veut dire. Et puis comme il a certaines paroles qui bug plus ou moins, genre les tempêtes, tout ça. Ce qui, je l'avoue, est assez casse-couille d'ailleurs. C'est ici. Olé! Bon! Alors, encore des peintures de guerre partout. Non, je croyais que c'était par là, mais non, c'est là. Allons-y, accélérons. Ah, j'en commence à entendre des choses. Ah. Oh, oh, ah, oh. Bonjour. Why must a vehicle be so important? Allies are a powerful aid. Even a dog can be a lifesaver. You focus your loyalty on a dead thing. I can drive a car. I'll cross the plains with silence in a car. People, get in my way. Do you trust the car? More than any man. We have a long way to walk. Let's look deeper. Oh. Il est génial. J'en mets un là, j'en mets un là. Là, là. Là. Là aussi. Non, qu'est-ce que, où est-ce que j'étais? Mince. Là, j'ai dit. Là, c'est plus intéressant. Trouver plus de munitions. Bon bah c'est bon tout ça. Appelez. Ça c'est fait. Allez, on se lève.
Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin? Une bande de fouches morts, où ça? Ouais. Bon. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire, chers amis? Il nous reste un... Oula, il nous reste un camp ici. On va aller se le faire, ce camp. Hop. Voilà. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai des baisses de framerate à nouveau? Sans aucune raison valable. Vous l'avez vu l'autre jour dans la, dans, en pleine, en pleine, comment ça s'appelle, en pleine tempête de neige, de zap, pardon. J'ai aucun problème. Et là, pour afficher 2-3 petits effets de particules, j'en chie. Elle est sur ma route. Hello guys. C'est dommage. Retente ta chance demain. Retente ta chance toi aussi. Tiens, bouffe mon surin. Dommage. Ça c'est fait. Bon les gars, on se revoit demain pour la revanche hein. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Un petit peu de ferraille, toujours. Là-bas aussi. C'est intéressant. C'est con, il y a une bonne carcasse, là. Ah, il te reste des choses sur toi. Je pensais que j'allais retrouver un couteau. J'étais content. Hop, les... Et voilà, le reste de ma ferraille. Parfait. Pas genre des munitions là dans le coin ou un truc comme ça, de la bouffe. Non, rien du tout. La bouffe, j'en ai pas besoin puisque de toute façon je peux pas la stocker. Alors. Oui, on a, nous allions là-bas, effectivement. Faire un gros campement. Allons-y. Elle a du mal à braquer, je trouve. Hein. Alors. Aïe. Voilà. Ça se passe plutôt bien malgré tout ça. Qu'est-ce qu'on a dans le coin? Pas grand chose hein. L'ouragan noir. Oui, justement, c'est pour ça que ça m'intéresse, mais je veux savoir d'où est-ce qu'elle est. Ah, elle est là. Bon, on ira juste après. Et c'est parti! C'est peut-être un petit peu bourrin ce que je suis en train de faire, mais bon. Ah, il y a un truc devant. What? Qu'est-ce qu'il y a devant? Ah, c'est ce point-là. Oui, d'accord. Hop, les... C'est fait. Par contre, oui, j'aimerais bien trouver des caisses plutôt, moi. C'était les caisses qui m'intéressaient à la base. Une petite sortie de route, mais c'est rien, chers amis. Ne vous en inquiétez pas. Voilà. Alors j'espère que ma voix passe bien au-dessus. On n'aura vu aucune caisse. Hein.
C'est triste, triste, triste. Comme dirait l'autre, bah si j'avais su, je serais pas revenu. What? Ah, elle en a pris un vieux coup dans le nez, quoi. Au mauvais endroit. Répare. Répare, te dis-je. Alors. C'est quand même pas des tirs de snipe que je me prends. What? Oula, ça a failli. Aïe. 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 Aha. Bonjour. Comment ça va? Boum. Ça c'est fait. Je vois des caisses. Oh la vache, je vois aussi un sniper qui me tire dessus en pleine tempête. Aïe. Allons-y. Je vois deux caisses là-bas, on va y aller vite. En espérant qu'elles soient pas trop loin l'une de l'autre. Aïe. Alors, où sont-elles? Là. Hop, t'en vas pas. T'en vas pas, te dis-je. Vite. Putain, c'est le déluge aussi chez moi, chers amis. Oh. La caisse qui me l'a fait à l'envers. Allons-y. Hop. Il y en avait deux là-dedans? Ah non, voilà le troisième. Je prends cher. Aïe. Aïe. Je me fais comboter. Allez, bois! Fais pas mine! Fais pas comme Olivier! Olivier mine! Oh putain! Blague-moi-y! Blague-moi-y, chers amis, attention! On roule, on roule, on roule, on roule, on roule, on en prend plein la gueule déjà là! Ah oui, c'est con là, elle est vraiment coincée en fait la boîte! Hein. Ah putain! Voilà! Oh! Cette physique de ouf, chers amis. Mais arrête de bouger la boîte. Alors, un petit peu de ferraille par là. Un petit peu de ferraille par là. Et encore un peu par là. Hop, de ce côté-là, on est plutôt bon, chers amis. Bon, par contre, je pense qu'au niveau de la ferraille, on va éviter d'en reprendre un peu plus. Quoique, attendez, il y a un truc là. Ah, ouais, bah là, je pourrais pas y aller. C'est le bon, c'est cool alors, c'est fini. On s'est fait une grosse quantité de pognon. Bon. Ah oui. Alors, chers amis, au passage, quelqu'un me l'a demandé. Donc je vais le faire pour cette personne. Il voulait absolument qu'on mette le troisième niveau. Enfin, ce niveau-là de la commande d'Akalan. Donc on va le mettre. Installation réussie. Et voilà, elle est mise. Donc voilà, j'espère que ça te plaira. Pour ce qui est des archanges, malheureusement, on devra la remettre, en remettre une autre. Mais bon, on verra ça le moment venu. Hop. Et moi j'ai plus de son dans la jambe gauche qui va être chiant pour embrayer. Wow, wow, wow. Alors, ça tombe bien, j'ai fait le plein de munitions.
Raté. Hop là. Un aboyeur, bah ça tombe bien, tiens. Voilà. Comment se faciliter la vie? Voilà. Alors. Salut les mecs. J'ai bousillé déjà à peu près un tiers de votre camp. Aïe. Apparemment ça c'est quelque chose que je ne peux pas péter. Pourquoi pas. Bon salut les mecs. Aïe. Qui c'est qui m'a lancé un truc là? Boum. T'apprendras. Bim. La gauche. Alors prendre le jerrycan. Enflammé. Hop là. Bah, restriction explosion. Bah je viens de la faire l'explosion. Non? What? Bon bah si c'est pas une explosion, ça nom de dieu. Je vois de la ferraille là-haut. Y'a rien, y'a une chier de ferraille dans ce coin. C'était pas une explosion ça? Bah? Oh. Hello. Where are you guys? Come on. Raté. Raté. Bim bim. Raté. 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 Punition au surin. Et boum. Punition au surin. Crac. Voilà, 24 coups. Ça vous a plu? Cool, on vient de passer un niveau. Alors on va retenter l'explosion, parce que là j'ai eu un doute. Enflammé. Merde alors. Voilà. Ah mais non, mais il veut pas. Bon bah tant pis. On va se démerder sans. Qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que j'ai à voir? Par là, je sais que j'ai de la ferraille à aller récupérer à l'avant. Je l'ai vu tout à l'heure. Voilà. Plus des munitions, ça c'est cool. Hop. Bon, vous me direz par contre, niveau ferraille, voilà quoi. J'ai largement ce qu'il faut. Ok, ça c'est bon. Bon. Voilà. Ça c'est fait. Ça c'est un chemin bizarre. Là j'ai rien. Là-bas non plus. Là non plus. Là j'ai du butin. Hop. 7 de ferraille, toujours ça de prix hein. Qu'est-ce qu'on a dans le coin? D'accord, donc ça monte et ça descend. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Alors avant de remonter, on va rester en bas.
Un emblème. J'avais pas fait gaffe, il y en avait. Mince. 3. Ok, bon à savoir. Alors. Le projet, il est là. 2 sur 3. Jusque là, ça se passe plutôt bien. Ok, on y va en douceur. Vous savez comme moi à quel point Max est lourd. On va prendre un petit peu de flotte. Bon, normalement, on devrait bien pouvoir remplir la gourde là. Pas complètement, pourtant c'est déjà pas mal. Hein. Plus 50%. Vous voyez à quel point c'est pratique. Et ça fait boum! Vous n'avez rien vu! Bande de trous du cul! Alors, on remonte. Hello! Oh, mais c'est qu'il y a du monde! Eh, mais c'est que ça ressemble à une arène en plus! Bonjour! Comment ça va? Oh! Dommage! Raté! Raté aussi, c'est dommage! Raté aussi, c'est dommage! Voilà. Aïe. Oh. Tu vas te laisser faire, oui. Raté. Ça aussi, c'est con. Donne-moi ça, t'en as pas besoin. Voilà, merci. Bon. Est-ce que quelqu'un veut négocier? Ça peut encore se passer en douceur. Peut-être. Peut-être. Je pense. Je peux peut-être faire un effort pour que ça se passe en douceur. Voilà, on va s'arrêter là. Je peux peut-être faire un effort pour que ça se passe en... Oh putain. Voilà. Oh. Niveau 10. Autrement dit, au prochain niveau, on passera un grade, entre guillemets. Alors, est-ce que j'ai un truc gratuit pour péter ce truc-là, ou je suis obligé de taxer une munition? Alors, par contre, je suis sorti où? Est-ce que je suis sorti là? Non, je suis pas sorti là. Ah! Alors, avant de remonter, on va aller là. Hello? Qu'est-ce qu'il y a par là, à part des couchettes? Ah ah! D'accord, il y en a un là. Bon bah écoutez, on va se le faire alors. Et olé! Ça c'est fait! On va prendre ça, juste au cas où. Hein. Pas comme si on avait besoin là-haut. Hein. Y a pas d'emblème ni rien. Apparemment non. Il me reste quand même un emblème et 5 de ferraille, c'est pas rien. Hein. Il me reste quand même un truc à un réservoir. Je vais le lâcher d'abord. Je préfère avoir tout avant. Hop. Alors certains d'entre vous me diront que c'est pas pratique. Pour la simple et bonne raison que ça permet de déjà gratter quelques points entre guillemets au niveau du temps d'approche de la ferraille, j'imagine. Mais bon. Oh, il y a clairement un passage là, ça fera ça. Ça pas. Ah. Je des fois. Je dirais pas que tu me déçois, mais presque.
Alors, un petit peu plus de ferraille. Plus que 3. Plus que 2. Il nous reste une grande porte à ouvrir, chers amis, hein, vous vous rappelez. Hein. Il nous reste la grande porte jaune qui est là. Parfait, bah c'est ça qu'on va aller se faire. Et boum! Quelle force! Alors on a un emblème. Voilà. Un de ferraille. Et il nous manque donc un de ferraille. Non, il est là. Il est sûrement là. Et bim! Parfait, donc on a absolument tout dans ce truc. Et même que maintenant, on va avoir le dernier. Alors, si j'en place un là. Ensuite, j'en prends un deuxième. Je le mets à côté. Plus le boom est gros, plus ce sera intéressant. Voilà, à côté. Voilà. Plus un troisième que je mets dessus. Hop, voilà. Qu'ensuite, je prends le quatrième. Que je l'allume. Que je le lâche. Et que je cours. Non, putain, j'ai inversé. Oh, c'est chiant. On a pris un autre. Boah, c'était pas plus gros. Dommage. Bon, bah ça, c'est cool. On l'a eu. Parfait, achèvement à 100%. Ça, c'est bon, chers amis. Alors, menace réduite. Oui, c'est cool. Et yop. Par contre, j'aimerais bien sortir genre méga rapidement aux The Dead. Ce serait cool. Ce serait cool. Mais apparemment, c'est pas autorisé. On va passer par là, tant pis. Hop. Non, 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 c'est pas par là. Il n'y a pas genre une porte droit devant, voilà, c'est ça. Et l'avantage, c'est que je n'aurais pas à péter la porte, chers amis, pour repartir. Ah. Bon, bah apparemment, je l'avais cassé. Bizarre, bizarre, bizarre. Bizarre tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans la zone? Quelques petits trucs quand même. Hein. On est à 25-30 minutes d'épisode. Si je peux aller jusque là et vous faire une petite course, voir simplement s'il n'y a pas besoin d'une... On va bien voir. Si je peux ramener notre voiture par exemple directement à mon camp. Oh, 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 oh. C'est beau ça. Alors. On y est presque. De toute façon, on n'est pas si loin au final. C'est juste là. Si je prenais la route, j'aurais plus d'accélération. Alors. Ah mince. Ah, juste pour vous, chers amis. J'en ai eu un. Regardez ça. Juste pour que vous puissiez le voir faire ça dans la voiture. C'était classe ou ça l'était pas? J'ai hâte de voir si la véritable intercepteur a vraiment le bruit avec le gros V8, a vraiment le... Je vous invite à au moins aller voir rien que pour ça le premier Mad Max. L'original, avec Mel Gibson. Alors c'est très particulier comme film. Hein. Allez! Alors. Voilà, celle-là je l'ai déjà faite, vous voyez. Moi j'aimerais savoir si je peux faire celle-là. D'accord, il y a un objectif de mission. Ah, il a Jack, bah ici c'est celle que je suis censé être en train de faire. D'accord, ok. Ok, pourquoi pas.
Bon bah écoutez les amis, c'est sur ça qu'on va se laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. On peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Et je pense que la prochaine fois, on ira dans ce coin-là. Hop.